Bonjour, bonjour à tous. Le bouddhisme s'est si bien intégré dans le paysage culturel et religieux français que les médias ou les sociologues, par exemple, ne parlent plus ou que très rarement de cette fameuse mode bouddhiste qui frappe les Occidentaux depuis quelques années. Ainsi, le bouddhisme, phénomène extraordinaire, étonnant, déroutant au départ, est en passe de devenir un phénomène naturel. Et, selon le choix de ceux qui l'adoptent, il est désormais soit un mode de vie, une philosophie ou une religion, bref, un élément possible de nos quotidiens. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que des pionniers, des précurseurs, apporte cette tradition en Occident. On en parle avec Marc de Smet, qui est notre invité et l'un des témoins de cette histoire. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, spécialisé donc dans tout ce qui concerne la spiritualité en général. Et vous êtes intéressé donc au bouddhisme et à l'Orient en général très tôt, bien avant cette fameuse mode française dont on parle depuis quelques années, dans les années 60-70. 70, disons plutôt, oui. Moi, je me suis intéressé en fait au bouddhisme et à l'Orient en général, curieusement par l'intermédiaire de textes américains, essentiellement ceux du philosophe Alan Watts, oui, qui avait beaucoup réfléchi, pratiqué et écrit sur le sujet, et aussi les écrivains de la Beat Generation, qui étaient tout à fait fascinés par le zen en particulier, et des gens comme Ginsberg, Ferlinghetti et d'autres, qui étaient des poètes que je respectais beaucoup, en parlaient d'une façon qui me paraissait à la fois libertaire, un peu sauvage, sereine, et bon, avec une liberté d'esprit qui me plaisait beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans les années 60, 70, 68, puisqu'on arrive vers les 68, en fait, il y avait vraiment une recherche de spiritualité ou en tous les cas de valeurs laïques qui cassaient avec ce qui se faisait traditionnellement? Je pense que tout le côté laïque est venu, enfin de spiritualité laïque est venu bien plus tard, en fait, plutôt avec les années 2000. Ah oui? Oui, assez tard. Non, là, c'était l'attrait de la nouveauté, l'attrait de l'exotisme. Les choses se passaient de manière différente. Bon, là, il y a eu l'explosion de 68. Moi, j'ai découvert ces textes, j'ai trouvé comme une sorte de courant d'air formidable, d'air frais, en lisant aussi bien des textes hindouistes, d'ailleurs, comme Ramakrishna, Vivekananda, des gens comme ça, Sri Aurobindo, que, évidemment, les grands essais sur le bouddhisme zen de Suzuki. Et je trouvais que c'était des pans entiers de la pensée qui se révélaient à moi, comme s'il manquait à la pensée occidentale, et qu'on les retrouvait justement en Orient. Et là, ça a été vraiment une véritable révélation, ouais, ça on peut le dire. Révélation doublée du fait que, évidemment, toutes ces philosophies s'appuyaient sur des techniques précises, des gymnosophies, des gymnastiques de sagesse comme le yoga, la méditation, etc., qui faisaient que ce n'était pas uniquement des philosophies, c'était des philosophies pratiques, dirais-je, qui étaient tout à fait... Et alors, par ailleurs, vous avez pu pratiquer directement avec les maîtres qui sont arrivés aussi en France, puisque il y a certains maîtres tibétains, les maîtres vietnamiens, et peut-être tout d'abord les tibétains, puisqu'en 59, c'est l'exil du Dalai Lama du Tibet, avec une partie de son peuple, et le premier maître tibétain arrive en 60 en France. Donc je pense que ça a commencé à bouleverser beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Ben, on a eu la visite, par exemple, du Karmapa, évidemment, oui, du Dalai Lama, donc j'ai rencontré tous ces maîtres à ce moment-là. Ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était leur absolue humanité. C'est-à-dire que beaucoup de gens les mettaient sur des piédestals formidables, le maître, le gourou, le machin, etc. Et bon, c'était avant tout des êtres humains comme vous et moi, et des gens d'une grande simplicité, d'un grand bon sens, d'une immense culture, comme le Dalai Lama, qui est un très grand philosophe scolastique, pourrait-on dire. J'ai passé 5 jours avec lui à Digne, par exemple. Enfin, on avait vraiment les chambres côte à côte. Dans l'hôtel à côté de la fondation Alexandra David Nel. Et c'est un homme merveilleux de gentillesse, et c'est toujours d'ailleurs. Et c'est toujours. Voilà. Bon, donc il y avait toute une éclosion à ce moment-là qui était formidable, avec beaucoup de spiritualité en babouche et en kimono, c'est-à-dire d'attrait de l'exotisme, oui, d'attrait pour la route, d'attrait pour les mystères de l'Orient, pourrait-on dire. Mais à côté de ça, une vraie recherche qui commençait à se faire, et avec un vrai investissement d'un nombre de gens de plus en plus nombreux qui se disaient, tiens, là, il y a quelque chose qui me parle, que je sens adapté à ma recherche intérieure, etc. Alors, ce n'est pas donc un système de fuite, comme le disaient certains sociologues à l'époque ou après. C'était vraiment une quête intérieure réelle. Alors, tout à fait, tout à fait. Vous savez, qu'est-ce qui n'est pas un système de fuite? Enfin, nous courons toujours en avant, donc bon, c'est que... Non, 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 je pense qu'il y avait, même s'il y a eu des dérives,
mais il y a toujours eu un vrai intérêt qui venait du fait qu'on découvrait une partie du patrimoine spirituel de l'humanité, donc notre patrimoine culturel aussi en quelque sorte, et qu'on se rendait compte que ce patrimoine pouvait devenir nôtre et nous faire du bien. Moi, je trouve que les plus grands poètes sacrés, textes sacrés sont des poésies, par exemple, quand vous lisez du René Char, par exemple, il y a aussi, bien que lui-même se dise complètement athée, il y a un sens du sacré formidable. Bon, il y avait ça, et ce ça a été comblé par l'arrivée du bouddhisme et des autres courants orientaux. Alors, autre arrivée importante pour vous, c'est l'arrivée de Maître Deshimaru en France, en 67. Vous avez étudié avec lui, pratiqué pendant une dizaine d'années. C'est une période quand même assez charnière, je crois, dans votre existence. Oui, alors donc moi, je l'ai rencontré plus tard. Donc j'avais fait différents essais, parce que je m'intéressais donc aux différentes philosophies. Et je me suis dit aussi, donc je vais essayer les différentes techniques. Donc j'avais essayé quelques techniques de méditation, de yoga, etc. Et un jour, en 71, on m'avait parlé de ce maître, et beaucoup d'amis commençaient à aller dans son dojo parce qu'on vantait son côté à la fois très rigoureux. Pardon, et rigolo, et rablaisien, et bon vivant, et à la fois très profond. Donc je suis allé voir, et tout de suite, je me suis senti bien. La première fois, il n'était d'ailleurs pas là, la première fois que j'étais dans le dojo à 7h30 du matin, dojo zen de la rue Pernetti. Et malgré une posture de jambe absolument épouvantable, j'étais loin du demi-lotus ou du lotus, n'en parlons pas, avec les genoux qui montaient, etc. Il fallait se tenir le dos droit, comme ça, centré sur sa respiration. Et ça m'a immédiatement parlé. J'ai senti ce silence, cette profondeur-là. Je me suis dit, là je me sens chez moi. Et il y a tout de suite cette fameuse histoire Zen Chan qui dit, dans la posture de méditation, vous êtes la montagne. Vos pensées sont les nuages qui entourent cette montagne, et votre respiration est le vent qui chasse les nuages pour créer du ciel bleu. Bon, tout de suite, j'ai senti ça vrai. Il y avait quelque chose qui se passait là, qui était valable au niveau de l'introspection, qui me faisait vraiment avancer, qui me faisait me voir moi-même, voir mon propre cinéma intérieur, m'en détacher, me déscotcher en quelque sorte de ce tohu-bohu permanent de pensées à l'intérieur de moi. Ça m'a convenu, impec. Et donc après, j'ai rencontré Maître Deshimaru qui m'a beaucoup plu comme personnage. Et donc vous êtes l'éditeur aussi. Tout à fait. Alors je suis devenu à la fois son élève, pourrait-on dire, puisque je suivais ses cours, ses méditations et ses sessions qu'il organisait. Et petit à petit, son ami et son éditeur, parce que j'étais déjà éditeur. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, ce qu'il raconte, on devrait en faire des livres. Puisqu'il parlait souvent pendant une partie de la moitié de chaque session. Les enseignements sont oraux. Voilà, les enseignements oraux. Et donc, ces enseignements oraux, il faut les rendre écrits, ce qui a été un très gros travail, évidemment, mais qu'on a fait, on a monté des équipes pour... Pour ça. Alors, Deshimaru, Maître Deshimaru, il faut rappeler peut-être quelques dates pour ceux qui ne connaîtraient pas ce maître zen japonais. 1914, c'est sa naissance, on commence par là. Disciple de Kodo Saweki assez tôt, qui était un très très grand maître, mais lui aussi très affranchi des temples habituels, du cérémonial japonais, qui est très très rigide, qui était un moine itinérant, pourrait-on dire, qui allait faire zazen dans les prisons déjà, donc un moine très très moderne, et il est devenu disciple de ce moine-là. Mais en fait, il a mené une vie laïque de commerçants, d'industriels, une vie de famille, etc. Il est devenu moine qu'en 67. Il est arrivé en France en 67. Un an avant, à la mort de son maître. Voilà. Et là, il a décidé de tout quitter. Les enfants étaient grands, etc. Et le maître lui a dit, va vers l'Occident, mais sans lui dire, va en France, ni rien. Et il s'est arrêté en France. Il s'est mis à faire du zazen dans un garage. Et petit à petit, des gens sont venus comme ça le voir. C'est une assez belle histoire. Et après, donc, il a fondé un nombre de dojos et un grand temple aussi près de Blois, la Gendronnière, tout à fait important. C'est un homme incroyablement aimé des Français et des Européens, puisqu'il y a pas mal de dojos en Europe, mais qui était, par son humanité profonde et son franc-parler, et son espèce de vert bon sens, presque paysan, très très apprécié des gens en général pratiquent ou pas avec lui, peu importe. Et puis il faut voir que ça a donné quand même maintenant une structure au niveau du zen qui est assez colossale en Europe. Ça a été le premier à venir transmettre tout à fait, le zen. Tout à fait. C'est lui qui a vraiment transmis autant à notre maître ou d'autres maîtres tels que Suzuki
ont transmis le zen aux États-Unis. Ouais. C'est vraiment Deshimaru qui l'a transmis ici. En France. Alors, on voit qu'au départ, il y a quand même eu des figures très charismatiques du bouddhisme, que ce soit le Dalai Lama, qui à partir de 89 est devenu... il avait reçu le prix de Nobel de la paix en 89, donc il devient une espèce d'emblème, un sourire, il incarne quelque chose de fabuleux pour les Occidentaux, maître Deshimaru, d'autres maîtres tibétains. Donc tout ça a permis l'implantation, la diffusion du bouddhisme en Europe. Est-ce que actuellement, tous ces maîtres du passé, ou la plupart, sauf le Dalai Lama, sont morts, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer de telles figures charismatiques par rapport au bouddhisme? Oui, écoutez, oui, je pense tout à fait. Enfin, il y a assez de temps qui est passé, assez de personnes qui ont été formées d'une manière intelligente, rigoureuse, pour que les choses se continuent tout à fait bien hein, au niveau du bouddhisme. Au contraire, je trouve que c'est la chose la plus intéressante, c'est que le bouddhisme devienne français, en quelque sorte, à ce niveau-là. Les bouddhismes, puisqu'il faut parler des bouddhismes différents, c'est-à-dire que nous les digérions. Ouais. Chacun à sa façon, d'une manière laïque, pour en revenir à ça, ou pas, plus religieuse si on a envie d'être plus religieux, ou plus détaché, peu importe, mais c'est la digestion de toute cette spiritualité orientale qui est intéressante. Et je crois, en plus de tout cela, que un processus comme celui de la méditation est applicable par n'importe qui, qu'on croit ou pas en Dieu, peu importe, ou en Bouddha, ou en tout ce qu'on veut. Là n'est pas l'important. La pratique de la méditation est une pratique qui nous met devant nous-mêmes, devant nos stress, devant nos flips, devant nos émotions négatives, nos pulsions, devant tout ce qui est déséquilibré en nous, devant notre propre pollution intérieure. Et ça permet un décrassage, dirais-je, un nettoyage tout à fait salutaire. Cela dit, il faut peut-être être accompagné quand même au début, il faut toujours le préciser. Il y a assez maintenant de centres tibétains, zen, etc., pour aller apprendre à méditer et après en faire ce qu'on veut dans sa pratique quotidienne. Mais enfin, on peut être musulman, chrétien, juif ou athée et méditer. Donc c'est ça qui est intéressant. Je crois que dans un monde qui est hyper bruyant, hyper pollué, le fait de savoir retrouver le silence en soi, de savoir justement reconnaître là où nous en sommes intérieurement et savoir justement évoluer grâce à cette technique qui est tout à fait rigoureuse et qui me paraît très adaptée à ce millénaire, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Alors en conclusion, très vite, vous qui êtes un observateur quand même privilégié de ce qui se passe au niveau des spiritualités et du bouddhisme donc en particulier, quelles sont les grandes tendances qui peuvent se dessiner ou quelle est l'évolution du bouddhisme maintenant en Occident? Bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, là, actuellement, je vous dis, c'est plus le côté spiritualité laïque, dans le sens que à chacun d'en faire sauce, et de savoir vers comment il veut s'orienter par rapport à tout ça. Mais... Donc, en gros, surtout quelque chose qui peut aider tous les jours dans sa vie quotidienne, quoi. Tout à fait, tout à fait, ce qui n'empêche pas une pratique rigoureuse. Mais je pense qu'il faut l'enlever, non pas du carcan, ce n'est pas le mot, mais il faut être libre par rapport à tout ça. Il faut comprendre que la méditation est de toute façon un acte, je pense, bénéfique et psychosomatiquement bénéfique, qui transcende radicalement tous les courants spirituels possibles et imaginables. Merci Marc. Alors, quelques livres avant de vous quitter. Les livres, tout d'abord de notre invité, Marc de Smet, Le rire du tigre est publié chez Albin Michel. Toujours chez Albin, Zen et arts martiaux de Maître Deshimaru. L'inscription chinoise du Zen d'Antoine Marcel est éditée par les Deux Océans. Et on termine donc par les derniers numéros des revues Terre du Ciel et Nouvelle Clé. La phrase du jour à méditer, nous pouvons exprimer notre gratitude d'être en vie en pratiquant chaque jour la voie du Bouddha, par exemple. C'est la fin de cette émission, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, soyez heureux, faites-en profiter les autres, vous verrez, c'est que du bonheur. À dimanche.